J'étais pas trop mal pendant 120 bornes, et puis les 40 derniers, les 45 derniers, j'ai craqué, j'ai lâché le groupe avec lequel j'étais, j'ai fini tout seul, j'ai pris assez cher, et je me disais, ouais, ça va être galère. On a vu que t'es arrivé tout seul. Et puis finalement, à pied, j'ai mis quoi, les 5 bornes à me sentir bien, et après, j'étais bien. Puis vu que c'est des grandes lignes droites, tu vois tout le monde, ça motive. Voilà, quand même, c'est... Et puis je comptais à tous les demi-tours, je me disais bon, allez, t'es temps, allez, encore une place. Parce que, au début, je suis arrivé 35e après le vélo, je me disais le top 20, c'est mort. Quoi, c'est... Mais à la fin de la course à pied, c'est... Ouais, tout le monde était au ralenti, hein, c'était impressionnant. T'as fait un gros marathon. Ouais, mais j'ai fait 52, un truc comme ça. Si, c'est bon. Hein. Non, mais c'est bon, mais je veux dire, pour que je reprenne autant de temps sur les autres, c'est que vraiment, ça devait. Ah, il a fait chaud. Très bravo. Ah non, c'est top, hein, franchement. L'année prochaine, top 10. On va pas aller trop vite. Hein. C'est déjà pas mal pour une première expérience. Ah ouais, c'est très bien. Surtout, j'ai déjà marqué des points. Ouais. Donc, top 15, ouais, tu marques pas mal de points. Ouais. J'avais quand même regardé à tout hasard. T'as plus que 2000 points et c'est bon. Ouais, mais c'est. Par rapport à l'an dernier, je partais avec 0 points en arrière. Ça te laisse plus, t'es plus serein quoi.